citation que vient de faire le journal Les Échos. En 2025, et ça va être écrit dans le budget de la France, projet de loi de finances, la TVA sur les abonnements de gaz et d'électricité pour tout le monde va être multipliée par 4, passant du taux réduit de 5,5% à 20%, en application du droit européen. L'Union européenne exige cette multiplication par 4 de la TVA. Donc ça veut dire de l'argent supplémentaire qui va être payé par les ménages, par les entreprises, sur l'électricité, sur le gaz. Ça s'ajoute à ce plan de méga austérité imposé aux Français. Et je rappelle que notre appartenance à l'Union européenne nous coûte déjà en termes d'énergie extrêmement cher. Nous sommes dans le marché européen d'électricité, donc on paye beaucoup plus cher l'électricité que si on était indépendant au niveau national, surtout que nous avons l'électricité nucléaire qui coûte beaucoup moins cher. Mais non, on ne peut même plus investir dans nos barrages hydroélectriques parce que si on bouge le petit doigt, Bruxelles nous oblige à privatiser. Et là, nous avons une augmentation des taxes de la TVA. Sur d'autres produits, sachez que le droit européen nous interdit déjà de baisser la TVA et c'est très massif. Alors, si on veut lutter contre l'austérité, si on veut soulager le pouvoir d'achat des Français, l'augmenter, il faut quitter l'Union européenne. Il n'y a aucune autre solution. C'est la première des choses à faire. Et tous ceux qui vous disent l'inverse ou qui ne vous en parlent pas, vous mentent.